Voilà, je vous retrouve pour la suite de cette partie. Ce qui est bien, c'est que j'avais une minute, je pense que j'ai eu le temps de tout relancer. C'est serré, hein, mais on est quand même bel et bien en train de perdre, je crois. On a perdu notre tour du centre, donc déjà ça aide pas. J'aimerais bien pouvoir lancer ma fusée là, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, faut que je regarde. Il me reste encore 11 secondes à attendre. J'espère qu'il va s'en sortir notre nain dans l'histoire. Mais c'est bête, on est à 99 là. Alors si je lance la fusée par exemple sur cet axe-là. Ah, elle a l'air pas trop mal là. Alors je vais essayer de les rejoindre là. Défoncer là si je reste là. Ils vont se dire que c'est eux qui vont pouvoir se faire le boss là. Ah bordel! Pardon, je m'égare. C'est quand même bien dommage, c'est nous qui avons eu le plus de terreur je crois dans l'ensemble. Pas réussi à en faire grand chose. Ah oui, ils sont déjà là eux quand même. De là à dire que c'est mal parti. Je les pensais pas si près en fait. Ah bon, bah, je crois que c'est fini. Ça va vite après, hein, quand ils vont tous être là. Il m'étonnerait qu'il arrive à sauver quoi que ce soit. Peut-être ça va se jouer à peu de choses. Et non! Bon, je vais quand même refaire une tentative avec... c'est quoi déjà? Le sergent marteau. J'aime pas mal en fait. Il y a pas mal de caractéristiques, mais l'ennui c'est que j'ai pas accès à tout. Étant donné que j'étais niveau 1. J'espère avoir gagné au moins un niveau là pour avoir accès au talent suivant. Ah putain, non, même pas. Ça, je m'en fous un peu. Ah si, peut-être. Je suis pas rendu au maxi. Non, bon, tant pis. Il fallait être au moins niveau 2 pour avoir accès au talent suivant. Donc je suis obligé de m'en refaire une comme ça. C'est pas grave. C'est sûr que c'est pas très intéressant pour mes alliés. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec des persos sans avoir tous leurs talents. Mais bon, je suis désolé. Là, pour le coup, j'y peux pas grand-chose. Alors, j'espère que ça va partir plus vite. Ah, voilà. On a un soigneur. Et en plus, j'aime bien cette carte. Alors, est-ce qu'elle va me porter chance? J'espère. Faut donc, comme d'habitude, hein, amener les pièces aux pirates. Et au bout de 10 pour le premier coup, on a le bateau. Les canons du bateau qui vont tirer. Deuxième coup, c'est 12, 14, 16, 18, 20. Et ça, ça peut monter très haut. Ça dépend combien de pièces on rapporte, quoi. Ok, c'est parti. Alors, bah là, j'ai pas trop le choix. Charge percutante, c'est ça. Augmente les dégâts infligés aux ennemis.
Mais longue distance, ça veut dire combien en gros? C'est ça qui est chiant. À longue distance. Contre les ennemis à longue distance. Ça suffit. Je vous laisse. Ouais, je vais essayer ça. Tout à l'heure, j'avais essayé l'autre. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, je sais pas. Pousse-toi, sérieux. Ah, tout le monde est là, par contre. Faut aussi que je me redonne une touche pour la monture. J'ai un peu oublié ce détail. Alors, je vais ici. On attend le coffre, je pense, mais l'ennui c'est que je sais pas au bout de combien de temps arrive le coffre, très honnêtement. Avec plaisir, chef. De toute façon, il y aura une annonce. Allez, c'est parti. Premier arrivé, premier servi. Ouais, je vais pas trop me jeter dessus, moi. Ouais, j'en ai plus aucune, je m'en fous un peu. Le but, ça va être d'essayer de les empêcher. Sérieux, si on pouvait en avoir un là. Ah, mon alter ego. Alors, je pense qu'à League of Legends, par exemple, c'est pas possible d'avoir deux fois la même personne au même endroit. Il me semble. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais. Chacun choisit chacun son tour et une fois qu'un perso est pris, on peut plus le reprendre. Ouais, ce serait bien qu'on l'ait lui. Ouais, je pense que là ils vont plus insister évidemment. Ah merde, ce que j'ai fait, je me gourde de touche là. Le problème c'est que il a plus de vie que moi l'autre tank là. Là faut pas s'approcher sérieux. Putain. Là, il a pris sa monture. Enfin sa monture, c'est pas vraiment une monture d'ailleurs. Là il va falloir que j'aille récupérer de la vie parce que je crois que la soigneuse a plus de mana ou alors elle m'a oublié mais. En tout cas ça se passe pas bien. Merde, il est dans le. Bon. Renforce les attaques de base, rendre la vie à chaque attaque, ça peut être pas mal. Nous, on a rendu que 4 pièces, alors qu'au début, on en avait pas mal, c'est décevant. Ah merde, je trouve toujours de touches. Normalement là on devrait. Ah merde le voilà lui. Là, faut que je me pousse, j'ai l'impression que l'autre il est à la portée là. Ah bordel, il aurait jamais dû s'approcher comme ça. Aïe, aïe. Ça fait mal, putain. Je sais pas si je fais mal comme ça, moi, mais. Alors, combien de temps avant la recharge? C'est bon. Va vite boire une fontaine de soin. Merde, le coffre est là. Ah non!
Et merde, ils vont tout ramasser. Je sais pas combien j'en avais. Ah, encore une partie mal barrée. Ah, là, ils vont s'empresser de poser, à mon avis. Ah, je sais pas s'ils auront le temps, en fait. Je pense qu'on va peut-être poser avant eux. Ah non, on posera jamais avant eux. Merde, moi je suis prêt, je fous rien, putain. Ah là là, ils vont poser, ils vont utiliser le canon là, c'est sûr. Déjà, ils sont en train de nous défoncer là. Augmente la durée, réduit. Ouais. On verra ce que ça donne. Deux pièces là, faut vraiment les rendre. Ah merde, ils nous attendent. Ah putain, ils sont tous là. Mortel. Mortel là, comment ils nous ont eu? Merde, il y a le canon. Ah, faut que je me pousse. Arrêtez ça. Avec plaisir, chef. Vous allez boire un coup à la fontaine. Pff, là, c'est plus une fontaine qu'il me faut. C'est plus que ça, je crois. Bon, on va dire que c'est bon pour l'instant. Si la healeuse a toujours de la mana. Avec plaisir. Ils ont déjà non, c'est nous qui avons 6 pièces là. Faut dire par exemple la healeuse là, elle va pas les rendre. C'est pas fait pour nous aider, je crois. Il a réussi tout seul, il a pas besoin de nous. Par contre, on peut aller rendre des pièces, je pense. Ce serait pas mal. S'il y a personne. Pourquoi il en a 12, lui, j'hallucine. S'il meurt avec ça. Il faut qu'il les rende, là. Et pourquoi il les rend pas, faut dire là, il en a 12 à rendre. Alors, ben là j'ai pas le choix. Je m'attendais à mieux. Putain, pourquoi il les rend pas là? Je sais pas comment on dit ça, mais faut qu'il le fasse vite fait. De toute façon, c'est pas parce qu'il les rend qu'elles sont perdues, hein, je crois pas. C'est vrai que là, il en a 12. Ouais, 13, niveau 13 contre niveau 10, je pense que c'est perdu. Faut dire, avec l'autre qui stockait des pièces, ça fait
Je sais pas combien de temps qu'il pouvait les rendre. Ouais, c'est parti. Il a toujours 13 pièces. Je vois pas trop l'utilité de les garder comme ça de côté. Il va crever avec, je suis sûr. Faut qu'on aille les rendre là. Ah, trop tard. Il est mort en plus avec, je parie. Non, il les a toujours. L'ennemi gagne du terrain. Votre adversaire vous a coiffé au poteau. Vous n'avez pas vous faire de leçon. Absolument. Ouais, je crois que c'est mort. Treize pièces, ça veut dire qu'on a loupé un tour, en gros. Ouais, je laisse tomber, je crois. En plus, il a eu je sais pas combien d'occasions de les rendre, ces pièces. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Les attaques de base infligent des dégâts supplémentaires. Ouais, je sais pas si c'est vraiment très utile. Mais pourquoi il fait une collection, il y en a 15? Pourquoi ça sert? En voiture, Simone. Affirmatif. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bah oui, go, mais ça fait depuis le début de la partie qu'il aurait dû y aller les rendre. Ouais, là, il va avoir un problème. On va peut-être l'avoir quand même. Bon, est-ce qu'il considérerait... Voilà, c'est bien. Alors normalement, les 15 vont s'attaquer. Vont s'ajouter et j'espère qu'on va se retrouver avec un petit surplus. Il en a rendu 9, d'accord, il a gardé ses 6. Honnêtement, je sais pas pourquoi il n'avait pas fait. Ouais, là déjà, on va détruire celle-là. Ok, ça c'est fait. Notre ennemi commence à fatiguer. Ah, poussez-vous. Bon alors, qui est prêt à casquer pour du service? Je sais pas si tous les voient, tout le monde les voit les petits bonus de vie là, honnêtement. J'ai l'impression que parfois personne ne s'en occupe alors qu'il y en a quand même des très visibles. C'est parti. Ceux-là vont nous aider. Merde, je tire pas là. Et après, super important, c'est d'aller chercher le coffre avec lui qui a ses 8 pièces là. C'est encore eux qui ont rendu les pièces. Et lui, il meurt jamais, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il fuit tous les combats pour pas mourir.
Et là, je sais pas pourquoi il va, il est pas là de toute façon. Ah. Après, est-ce que pouvoir le lancer là, c'est bête, il va nous en manquer une ou deux. Là par exemple, on peut s'en faire quelques-unes. Non, c'est trop tôt, il n'y a personne. Là, on doit pouvoir s'en faire une dans 9 secondes. Ouais. Votre idole est attaquée. C'est bon, l'idole est sauvée pour l'instant. Par contre, ce qui vaudrait coup, c'est de se faire celui-là. Ah, ok. Franchement, de se faire les forces. Il doit y avoir des pièces d'or dans les mercenaires comme ça, je pense. Putain, ils ont rendu des pièces déjà. Ah putain, ils sont... Là, ils tirent sur la... On va la défoncer. Bien de venir m'aider. Ah bordel, ils ont réussi. Ah, ça aurait été rapide cette fois, je trouve. Bon, bah c'est pas grave, encore une défaite. L'avantage, c'est que je vais faire une troisième tentative avec les nouveaux talents. Mais j'avoue que je suis vraiment pas joué à ce... Je suis vraiment pas doué à ce genre de jeu. Faut croire. Bon voilà, j'ai déverrouillé déjà la deuxième capacité héroïque. Et puis j'espère quelques talents quand même, je verrai ça, mais... Alors, je vais m'arrêter ici, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.